Salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une chose très rare. Bien sûr, c'est ironique. Un haul-chin. Donc cette fois-ci, c'est que des fringues. J'ai 5 pièces pour moins de 50 euros. Oui. Je suis bien contente. Je viens de les essayer puisque je vous ai filmé le try-on. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc, je m'installe. Je vous mets les photos des produits du site. Je vous mets les close-up du try-on. Et je vous affiche les prix en réduction. Puisqu'il y a toujours des bons de réduction sur Shein. Il y a toujours moyen d'en trouver un où eux en proposent directement. Si vous cumulez vos points, vous avez des points en moins, vous avez les... Enfin voilà, j'adore. N'hésitez pas, si vous voyez mes commentaires sur les produits que je vous propose, de les liker, ça me fait gagner des points. Et vous avez mon lien de parrainage en barre d'infos, si jamais vous n'avez jamais commandé. Ce qui serait étonnant. Ou si vous voulez faire une nouvelle adresse, ça me fait gagner des points aussi. Voilà. Alors, les deux premières pièces... Je me demande même si les trois premières pièces ne sont pas à moins de 5 euros. Je ne sais plus. Je vous affiche les prix de toute façon. J'ai pris ce top. Alors, je viens de voir en faisant les captures pour faire la vidéo qu'il est en rupture déjà. Je suis désolée. J'ai trouvé ce top noir avec des manches en tulle et des étoiles dorées. J'aurais préféré des argentées ou des blanches, mais il était tellement beau. Et le col est un petit col montant, comme j'adore. Vous savez, je vous aimais beaucoup quand je mets des petits cols montants d'ailleurs. Et ici, vous avez une épaule noire et une dégradée, enfin asymétrique. Dans le dos, il est tout noir et il est un peu court, mais avec un pantalon taille haute, ça passe crème. Et j'ai tout pris en M de toute façon. Voilà. Et je l'adore, bien évidemment. J'ai pris celui-ci parce que j'ai craqué sur la couleur. En ce moment, je suis à fond dans le rouille, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai pris un top rouille. Alors, celui-ci est plus long. Il est très basique, mais vous avez les manches bouffantes. Donc, ça aussi, j'adore. C'est un col carré, j'aime beaucoup aussi. Ça met vraiment en valeur la poitrine. Et vous avez trois gros boutons en décoration sur le côté... Ils sont vraiment très jolis, ça fait très classe. Je vais essayer de vous les montrer d'un peu plus près. Et j'adore la couleur. Et je trouve que ça me va bien au teint. Les manches bouffantes, j'aime ça aussi. Je crois que vous commencez à savoir de toute façon ce que j'aime. Moi, dès qu'il y a de la dentelle, des froufrous, de la symétrie, des perles. Voilà. Mais j'aime beaucoup et j'adore la teinte. C'était dans cette teinte-là que je voulais la jupe que j'ai achetée dans le dernier haul. Sauf qu'elle n'était plus dispo. Donc je me suis rabattue sur ce top-là, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, sur les close-up, le jeans vient de chez Shein aussi, donc je vous le mets aussi en barre d'infos. Alors, j'ai pris celui-ci, j'avais pas vu que c'était un crop top à la base, mais bon, ça ne me dérange pas. Il est sublime, encore un asymétrique. Donc, c'est un crop top, un noir et... C'est un asymétrique comme ça, avec une chaîne dorée ici sur l'autre manche. Ah, oh, c'est trop beau, franchement. Bon, moi, après la symétrie, vous savez à quel point j'adore. Et franchement, la qualité, il faut que j'arrête avec ce site. Il faut que j'arrête d'aller dessus, en fait, tout simplement, je crois. J'y arrive pas, c'est plus fort que moi, c'est une drogue. Voilà, après, vu les prix, j'ai envie de vous dire, je vais pas me priver non plus. La chaînette est en plastique, donc ça ne fait pas froid sur l'épaule. Après, c'est sûr qu'à la machine, ça va s'abîmer au fur et à mesure. Hein, mais oh, moins de 5 euros. Une fois qu'il est foutu, vous le jetez, vous en achetez un autre. Vous voyez. Je crois que moi, je vais commencer à acheter mes fringues au lieu de les laver. Parce que j'en ai trop. Il faut que je trie ma garde-robe, absolument. Mais si je n'ai pas le courage. J'ai pris un gilet chiné. J'adore le chiné. J'adore les gilets. C'est vraiment... de toute façon, vous avez déjà remarqué, et il est trop beau. Voilà, donc il est un peu large, mais au moins je peux le mettre au-dessus d'un pull. Je l'ai pris en M aussi. Hein. Ouais. Il est beige, marron, taupe, non crème plutôt.
Voilà, j'adore le chiné. Je préfère le chiné gris, mais je me suis dit pour changer un peu. Oui, en ce moment, je suis dans le marron, le rouille. Voilà. Et franchement, il est très beau. Donc, c'est un court, évidemment. Vous avez 3, 4 boutons ici. Et franchement, j'aime beaucoup. Il est assez épais pour un petit gilet d'intérieur. Et voilà, pour tenue d'habillé, ça fait tout de suite. Ça fait tout de suite mouche. J'aime beaucoup et je trouve que ouvert ou fermé, il est aussi bon. Et la dernière pièce. Ah, coup de cœur. Sam a dû venir m'aider pour fermer la tirette, mais il m'a dit waouh, j'adore. Alors, au départ, je pensais que c'était en deux pièces, mais en fait, c'est en une pièce. Donc voilà. C'est une robe. Donc, ça revient vachement à la mode, les robes comme ça. Avec ce dessin-là, je sais pas vraiment, c'est pas du pied de poule, c'est pas des carreaux, c'est je sais pas. Vous avez un col montant, c'est en matière doudouche. Peau de pêche comme ça, velours. Enfin, peau de pêche, moi j'aime bien le dire peau de pêche. Les manches sont bouffantes jusqu'à l'avant-bras où c'est resserré et ça fait vraiment très classe. Vous avez une grande zipette dans le dos qui descend jusqu'aux hanches pour l'enfiler. La longueur est parfaite. D'habitude, c'est toujours trop long chez moi parce que comme je suis courte sur pattes, ben forcément les trucs courts font long et les trucs longs font très long. Mais j'adore, j'ai adoré l'enfiler. J'ai hâte de la mettre, franchement. Bon, c'est clairement pas une robe d'été, mais pour les mi-saisons, elle est d'enfer. Automne-hiver, parfait. Voilà, j'adore. Et la longueur est nickel, la taille est nickel. Oh, gros coup de cœur sur cette robe. Ouh, pour le prix, 15 balles. Moins de 15 balles, je crois d'ailleurs, 14,90 € plus la réduction. J'adore, j'adore. Un petit effet bouffant sur les manches ici. Génial. Le zip est un peu compliqué, un peu dur au début, mais bon, ça c'est souvent. Voilà, mais oh waouh, trop belle. Trop, 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 trop belle. J'ai hâte de la mettre. Ça avec les bottes que j'ai achetées dans le dernier haul. Oh mon Dieu, que ça va être beau. Donc voilà ce qui conclut mon petit haul. Vous voyez, c'était pas beaucoup, hein. Mais je sais que vous aimez quand je vous fais les vidéos spéciales haul. Et en plus, ça me fait des vues. Bon, tant qu'à faire, hein, on va pas cracher dans la soupe. Comme ça, vous avez plus facile à les retrouver. Voilà. Quand je vous ai dit que je voulais le faire en vlog, il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais non, fais un haul. En plus, ça te fera des vues. N'est-ce pas, mam? Et comme ça, on voit bien. Donc voilà, bah, je vous ai fait le haul, c'est très court, mais vous voyez que pour moins de 50 euros, bah, on peut déjà s'habiller sur Shein. Le délai de livraison, il faut compter à peu près 15 jours. Moi, je les ai souvent en une semaine et demie, mais c'est déjà arrivé que ce soit beaucoup plus long suivant les périodes. Mais en principe, je compte une semaine et demie, 2 semaines pour recevoir les colis et ça va super vite. N'oubliez pas après d'aller bien valider la réception de votre commande pour gagner des points et comment? Et mettre une photo et une description de l'article, ça vous fait gagner des points que vous pouvez déduire la fois d'après. Bah, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Hein, voilà, comme on dit, on chie pas non plus du pognon. Donc, la moindre réduction, moi je prends, plus les codes promo, cherchez bien, il y en a toujours qui circulent. Si vous avez Aigral par exemple, vous avez mon lien de parrainage également en barre d'infos. Ils vous testent tous les codes qui sont dispo et ils vous affichent le meilleur en fait, celui qui vous rapporte le plus, hein, qui vous diminue le plus votre panier. Donc c'est tout bénef. Moi à chaque fois j'oublie d'activer Aigral. Qui boulet. Bref, donc j'espère que ce petit haul vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire s'il y a des pièces qui vous intéressent. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Si c'est plus dispo, je ne peux rien y faire, mais il suffit de chercher des similaires. On se retrouve, je crois que c'est demain pour le weekly vlog, je ne sais plus trop, mais de toute façon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.